L'écriture, c'est une manière pour moi de me dévoiler, de m'exprimer, de me cultiver, de faire des recherches. Et ça me permet aussi de dénoncer certains faits de la société. Par exemple, la privation des libertés au Tchad. Les femmes sont marginalisées au Tchad. Les femmes sont considérées comme un fardeau. Et une fille qui part à l'école, elle est considérée comme une prostituée. Parce que chez moi, la bonne jeune fille doit se marier à l'âge de 12 ans, 14 ans. Une parfaite liberté d'expression. Parce que ce que je ne peux pas faire librement ou dire librement, je le fais à l'écrit. Je me détends et je prouve que je suis un acteur libre en pensée et en action. Je m'exprime librement et je me sens très engagé et très courageux à affronter cette procédure. En ce qui me concerne, participer au journal du CADA m'apporte beaucoup de réconfort et d'équilibre, mais aussi un épanouissement au niveau intellectuel. Les sujets que nous débattons ne sont pas seulement des sujets que nous prenons dans le tas, ce sont des sujets qui partent de nos expériences personnelles, et aussi ça nous appelle à faire des recherches. Et faire des recherches, c'est un travail intellectuel à faire. Et le travail en binôme aussi, c'est de la réflexion. Et du coup, c'est vraiment au niveau de l'équilibre moral que ça se passe. L'enrichissement culturel, intellectuel, sont vraiment des éléments qui ont, en ce qui me concerne, participé énormément à ce que je me rétablisse. Parce que j'avais pas ce cadre-là avant, où je pouvais m'exprimer, où je pouvais trouver des gens avec qui je pouvais parler des sujets qui me tenaient à cœur. Quand on voit que par la suite, il y a aussi des initiatives qui sont prises par rapport à ce qu'on a écrit, ça ne peut qu'avancer.